Coucou les amis, toute nouvelle vidéo. Tu veux un moment au café, Alex ? Non, après. Je remercie mon ami. Coucou les amis, toute nouvelle vidéo. Enfin, je suis au stade Bollard. Enfin, on est de retour au stade Félix Bollard après 3 semaines qui nous ont cassé. Qui nous ont cassé les couilles. Un putain de gouvernement à la con, sincèrement. Merci, mon ami. Mon frère, plutôt. Pas grave. Donc bah aujourd'hui on reçoit Bordeaux qui sont 19e. Ouais. Dernier match ils ont perdu 5-1 donc contre Reims. Donc j'espère sincèrement que nous on va faire un beau match et qu'il nous faut les 3 points aujourd'hui. Donc là on a de la cour parce que la Marek elle est fermée, je vous ferai voir après. Donc bah. De toute façon, vous inquiétez pas. On verra bien comment ça va se passer. Mais bon, en espérant qu'aujourd'hui, on joue vraiment. Pas que comme on a joué contre Lorient, parce que sincèrement, Lorient, c'était dramatique. Alors, vous voyez la Marek, il n'y a personne. Normal, elle est fermée. Le préfet il a dit on arrête. Oh, on ferme. En Zercès, il y a comment avoir des gens. Donc aujourd'hui, derrière les buts. Échauffement de Jean-Louis Lecoq et Wilton Fournoson. C'est clair, j'assume. Bien, ouais, Farines. J'aime bien ses appuis, sincèrement. Bon, là, j'avoue, le tireur, bon, il s'est raté, chef. Voilà nos vedettes qu'ils ont pas joué dimanche passé. Mais bon, franchement, il faut à tout prix gagner. Je veux voir les 3 points. Et puis que les mecs ils mouillent le maillot.
Ça fait triste que personne n'a marre avec ça, sincèrement.
match est bientôt commencé. Bon match à tous et je reviens à mi-temps. À tout à l'heure. Bon bah mi-temps hein, sur le score de 3-1. J'avoue que le troisième but est pas mal. Premier et troisième but est pas mal, le deuxième c'est sur un penalty. Mais on a encore des carences, hein, sincèrement. On voit qu'on n'est pas. On voit que les têtes, ils n'ont pas encore été mis dans la bonne place. Parce que sincèrement, je vais voir autre chose. Parce que pour la période, oui, on mène. Mais. On peut pas dire plus. Parce que sincèrement, j'attends encore autre chose. Parce que je vous dis franchement, les mecs, Bordeaux, c'est faible. Hein. Bordeaux, c'est faible. C'est clair. On voit que les Bordelais, ils ont quand même la tête au-dessus du lot. En dessous de l'eau, plutôt, désolé. Mais bon, nous, on a toujours les mêmes carences. Au lieu de défendre, aller sur le bonhomme, non, on fait recul. Ça, qu'est-ce que ça peut me péter les roubignoles, sérieusement. Va sur le porteur du ballon, va dessus, va. Fais pas marche arrière, va dessus. On recule jamais. En débutant, on dit ça et à des enfants et nous, on le fait pas. Après, bon, Farinès, sur le but, il peut rien, sincèrement. Mais bon, on se fait quand même peur parce que sincèrement, Bordeaux, je sais pas ça, sincèrement. En espérant qu'on arrive encore à marquer la deuxième, à marquer quatrième et cinquième but pour se faire, nous faire plaisir. Ah, au départ, il y a eu du mieux. Au départ, ouais, on était plus sur le ballon, on a machin, mais on. Et après qu'on a marqué le troisième but, on a fait trop de fautes, sincèrement. Mais le Bordelais, mais sincèrement, se prendre un but sur une touche, c'est grave quand même. Mais bon. Bon, ben voilà ce que j'ai pensé. Mais bon, je suis pas content, sincèrement, je suis pas encore satisfait de notre équipe en première période, sincèrement. Je veux plus. On mérite, on peut faire mieux. À tout à l'heure. Bon ben voilà, match terminé. Gagné 3-2. On renoue avec la victoire. Rigoler. Personnellement, je retiendrai que la victoire. Que ça. Sincèrement. Hein. Que ça. Parce que sincèrement. Ouais, on a fait bonne. On a joué 30 minutes. Aujourd'hui, on a joué 30 minutes en première période. Quand on a marqué 3 buts, après, c'est terminé. Et après, quand les attaquants de Bordeaux hymnaient, comme d'habitude, bien entendu, eh ben, on fait marche arrière. On va pas dessus. Il y a des moments, sincèrement, on se demande même s'ils ont vraiment envie de gagner, les mecs. C'est sérieux. Hein. Je me demande si on a vraiment envie de gagner. Bon. Après. Même l'arbitre, hein, il y a des moments, il faut arrêter un petit peu, mais bon, nous on a l'habitude. Puis si un jour je vous dis qu'un arbitre fait des bons matchs, ben c'est rare. Ça va être très très rare, parce que lui aussi a été pourri, sincèrement. Moi je veux bien, hein, mais bon. Je suis déçu, je suis encore déçu. Content qu'on a gagné. Mais bon, en face c'est Bordeaux les mecs. Hein. J'ai un grand respect pour les Bordelais, je leur souhaite bonne chance pour le match. Hein. Mais pour moi, sincèrement, Bordeaux il est faible. Hein. Très très faible. Et nous malheureusement, on est aussi faible. Un petit peu moins, allez, un chouïa. Chouïa un petit peu moins faible. Mais bon, sincèrement, à part retenir la victoire,
Les trois buts. Le premier, le troisième but qu'on marque, deux beaux buts. Mais sinon, sincèrement, ouais, je vais pas. Il y a beaucoup de supporters qui ont quand même bien, ils ont quand même bien sifflé parce que vu ce qu'on a encore vu. Je vous dis, voilà, en ce moment on voit que de la merde. Et moi ça m'inquiète parce que ben le prochain match c'est Lorient. Désolé, je me suis trompé. C'est Lyon. C'est Lyon et si on joue, et comme Lyon il commence à être en pleine bourre, ben, contre Lyon ça va être marrant. Hein, je vous le dis franchement, hein, on a intérêt de jouer autrement hein, parce que sincèrement. Je pense qu'on va s'en prendre une pilule, là. Malheureusement. Mais bon. Ils ont une semaine pour essayer de se remettre les têtes à l'endroit. Mais je vous dis, sincèrement, il nous manque Lagnac. Il nous manque Lagnac, il nous manque le petit truc qui fait que on a une vraie équipe. Donc bon. Bon bah voilà, je vous laisse. Sur cette fin, avec cette victoire, cette petite victoire de Lens. Donc, likez, partagez, abonnez-vous si vous aimez ma chaîne, ça va m'encourager. Et puis bon, allez Lens. Puis bonne semaine à tous. Ciao, ciao.